Empêche l'autre Triss là, elle peut se téléporter comme elle veut, c'est un peu de la triche. Hein. Moi je suis là, j'escalade, je tue des bandits et elle. Bon, allez, on se retrouve à la ville. Bonasse. Alors. Ça c'est long par contre dans le jeu, c'est de devoir refaire les routes en sens inverse et du coup bah. Y'a juste rien à faire quoi, à part marcher, courir, ce que vous voulez. Après le jeu est joli donc ça va, ça passe mais. Quand même gênant. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je range mon épée parce que. Vous voyez un mutant courir dans la ville avec une épée sortie. Vous êtes moyennement rassuré, je pense. Et moi, je pourrais devenir sorceleuse ? Non. Allez. Quelque chose me tracasse. Vas-y. Ça mange quoi, un maudit sorceleur ? Des champignons ? Des patates ? Qu'est-ce que je dois faire exactement ? Ah, c'est lui, là. Je sais pas ce qu'il me veut. Le Kéran, blablabla. L'Osmoros, ah. De toute façon, il était en sécurité, hein, en prévision du combat contre le Kéran. Et jusque-là, rien de bizarre. Mucus était hautement venimeux. Notre héros obtient une formule conférant l'immunité. Il fallait que l'Osmoros. L'herbe se poursuit dans un autre chapitre. Je ne m'étendrai ici que sur la façon dont la chasse aux monstres a évolué. Ah, c'est ici. Une grotte, ouais, utiliser l'air pour protéger les venins mortels. Tout en sécurité, blablabla. D'accord. Donc là, a priori, il faut que je boive la potion. Ça. On va l'allier à d'autres breuvages. Juste hop, faire la petite sauvegarde vu que c'est le moment où j'ai pris la potion. Ok. Du coup, je ne sais absolument pas où est-ce qu'il faut que j'aille pour affronter le Kéran. Moi, je dis les mutants, faut les mettre à la porte. Porte VTF. Évite ce genre de. de choses, Sacha. Ok, mais je dois. C'est où le Kéran? Bienvenue. Où est-ce qu'on doit aller le défoncer, ce con? Tenez-vous bien, sorceleur. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Bah, tu viens de me fermer la porte. Bah mince, c'est où? Auberge, ouais, c'est cool. J'ai pris la potion, mais. J'ai eu la potion avant d'affronter le Kéran, oui. Bah... Ça m'énerve vraiment, ça, dans ce jeu. Pour se prochain des marchands, prêt à payer. Contre Nice, inspire. Et du coup, ça, si je fais ça.
Pourquoi on transporte ça si le port est toujours bloqué, patron? Pour s'entraîner. On va aller voir dans l'auberge, du coup, vu qu'a priori c'est là-bas que ça m'a indiqué, mais. J'ai pas vu de texte particulier. Bah attendez, je vais même gagner du temps. Je vais charger la sauvegarde où j'étais à côté du mec. Hein. Comme ça en plus ça me reset les cooldowns de la potion. Alors. Je sais que tu aimes parler, vas-y, je t'écoute. Allez, tu peux me le dire. Que s'est-il passé avec Foltest? Tu veux connaître la version des faits qu'on entend à Flotsam? Le roi est mort dans des circonstances inexpliquées. Le sorceleur Geralt, l'épée maculée de sang, a été découvert auprès du corps. Tu l'as tué? Ça restera entre nous, je le jure. Le tueur s'est échappé avant que je puisse intervenir. Je me suis fait piéger. Qu'est-ce que tu vas faire? Te mettre à courir, l'épée à la main, en espérant que le tueur vienne s'empaler dessus? Pas la peine. Le tueur est dans la forêt avec les Scoia'tael. Il sait que je suis là. Nous nous trouverons. Geralt, ne tente rien de stupide, je t'en prie. Ne va pas... On s'en fout. Tu as fait un rapport sur Flotsam à Vernon. Tu as vu quelque chose d'inhabituel? Les filles des bordels sont incroyables. Tu devrais y aller. L'une d'elles... Viens-en au fait. Un village comme les autres. Un port, une auberge et un fleuve crasseux et puant. C'est ce que voit un homme ordinaire. Mais les poètes sondent l'âme des gens. Et il n'y a rien de bon. J'ai vu un vol puni par la loi. Les gardes ont ri, confisqué les biens et dit qu'ils rétabliraient l'ordre. J'ai vu des soulards tabasser une elfe sans que personne ne bronche. Je sais qu'on voit ça partout, mais il ne s'agit pas de haine ou de recherche de coupables. Les gens sont poussés par les calculs. Ils cherchent par tous les moyens à s'enrichir. Je m'en fous. Pourquoi je dois te parler, toi? J'ai besoin d'informations, de tout ce qui pourrait m'aider à traquer le tueur de roi. Je ne connais que les rumeurs qui courent depuis la mort des Mavend. Les gens accusent tout le monde, elfes, Nilfgaardiens et Riviens. Laisse-moi deviner, on soupçonne aussi les alchimistes Zericaniens et les Alphelins. Bonne théorie, mais il y en a de bien meilleurs. Tu sais quoi? Franchement, le chaos qui règne dans la tête des gens est l'effet le plus inquiétant de ces meurtres. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te parle du chaos. Les gens ne savent pas quoi penser. Qui est bon? Qui est mauvais? Bon, allez, on s'en fout. Des souvenirs me reviennent, Jaskier. Quels souvenirs? Ma propre mort. J'ai vu ta mort de mes propres yeux. Et je te l'ai narré plus d'une fois. Yennefer a sacrifié sa vie pour te sauver. J'espérais que tu te souviendrais de la suite. Comment se fait-il d'ailleurs que tu sois là, devant moi, à me parler, à respirer? Tu es vivant, l'ami. Le brouillard de l'amnésie commence seulement à se dissiper, Jaskier. T'en fous, putain de merde. Pourquoi je devais lui parler? Ça n'a pas de sens. Peace. La cohabitation avec... Tu n'as... Blablabla. Je m'en fous. Je veux juste savoir où est-ce que je dois aller. Bordel de merde. Ça marque que je dois... Putain, c'est... En dessous. Démolis-lui la face. Putain, ok. Allez, je vais recharger pour réavoir les cooldowns des potions reset. Parce que là, j'ai parlé au mec parce que je pensais que c'était lui. Parce que, franchement, l'indicateur de quête était sur lui, mais en fait, c'était au sous-sol. Quoi. C'est pas de bol. Attends qu'il pèse sa putain de garde. Allez, Sheridan. Que se passe-t-il ici? Une compétition, mon frère. Le port est fermé et on s'emmerde comme des rats morts. Ça t'intéresse? Explique-moi les règles. Les concurrents misent de l'argent, ça, le vainqueur l'emporte. Les règles du combat. Contente-toi d'aplatir ton adversaire. Élaboré. Alors, tu te bats, mon frère? Une autre fois. Gare à son crochet gauche. Batté, machin, Manu. Alors? Allez, bien entendu. Qui dois-je affronter? Un bleu comme toi, mon frère. Alors? Allez. Allez hop, on mise 10 parce que je suis prêt. Messieurs, que la danse commence! Je lui péter ses dents. Son crochet gauche. On peut nous lâcher.
son crochet gauche. C'est une crêpe le mec en plus. Je viens de taper un squelette. Ça c'est de la poésie. On continue de se battre, mon frère. Allez. Qui dois-je affronter? Tête tacleuse. On l'appelle tête à cul. Joli nom. Il fait tout à l'envers. Tête. Allez, hop, hop. Allez, allez. Je suis prêt. Messieurs. Allez, allez. Gare à son crochet gauche. Je perds pas trop de temps parce qu'il y a mes potions qui tournent pendant ce temps-là. Attends qu'il baisse sa putain de garde. Ah oui, ok. Je me disais ce petit coup de pied était nul, mais... Hé, maître. Quoi? Vous êtes un sérieux concurrent. Bien trop doué pour ces ivrognes. Et croyez-moi, je sais ce que je dis. Je ne vous connais pas. On m'appelle Ziggy le roi, parce que je paye comme un roi. Je vous attendrai tous les soirs près de l'auberge. Venez si vous voulez goûter à la gloire et à l'argent. Je connais les bons endroits. Je voudrais pas être ton ennemi. Continue de se battre, mon frère. Non, une autre fois. Retrouver Ziggy près de l'auberge à la nuit tombée. Ouais, bah du coup, je me fais baiser avec mes. Avec mes potions. Mutant. Et c'est. Toujours pas ça. Je vais devenir fou. Dans les reins. Ah, là, je suis où il faut, normalement. Gare à son crochet gauche. Un de R. Attendez, la quête là, possible. Ou combattre le Kairan avec Shayla. Mais il est où ce Kairan? Je vais regarder sur internet parce que ça commence à me casser les couilles. The Witcher 2 Kairan. Je vais pas passer 10 ans parce que franchement ça m'énerve dans les RPG. C'est en mode. Faut trouver le Kairan. Allez, mec. Rendez-vous à Cédric Vale. Dirigez-vous maintenant vers le sud, la cascade. Okay. Oui, ça c'est pour choper le smoro, je l'ai. J'ai fait le truc de mangouste. Vous avez affronté la bête maintenant. Vous souhaitez peut-être mettre la main sur le piège à Kairan. On s'en fout. La chambre de Shayla juste au-dessus de l'auberge. Putain, en fait c'était pas en dessous, c'est au-dessus. Démolis-lui la face. C'est vraiment mal indiqué. Généralement sur les minimaps, dans un jeu normal, salutations. Vous indiquez gage. Ben, y a rien. Par où on monte? Non, c'est par là. Généralement sur les minimaps dans les jeux, pour indiquer qu'il y a une putain de truc en hauteur. Que vous faites, mettez une flèche sur la minimap, sur l'indicateur de quête, une flèche vers le haut. Voilà. Je vous attendais, sorceleur. Il nous faut tuer un monstre capable de couler des navires. Effrayé? Non, mais il va nous falloir l'attirer sur la rive. Je m'en occupe. J'attends de voir ça. Ça promet d'être un spectacle intéressant. Attendez-vous à avoir les honneurs? Les honneurs? Une fois sur la berge, c'est vous qui tuerez ce... cette... créature. Allez. J'ai tout ce qu'il me faut. Allons-y. Excellent. Allons-y. Prêt? Vous êtes maquillé? On a tous nos rituels. Que je sache, les Kairan sont daltoniens. Assez, Gérald. Sortez donc cette bête de l'eau. Vous avez un tour dans votre sac? Toujours.
Ne vous faites pas dévorer et nous rentrerons en héros. J'espère que vous dites vrai. Descendez dans la tanière, allez. Puis attirez-le sur la berge. Je reste sur le pont. Faites attention, même sur la terre ferme, il reste dangereux. Ouais, blablabla. Bah, du coup, je me suis fait niquer, mais... Le temps de ma potion est déjà à la moitié. Et le temps que je descende... Attendez, on va faire un truc du coup. Je vais recharger ce truc là, cette sauvegarde là. Et du coup, je vais directement aller lui parler, je vais skip les dialogues. Comme ça, j'aurai vraiment tout le temps de ma potion. Et tant pis pour le truc en bas là, avec les gens qui se fightent. C'est pas important. Je vous... Les allez, blablabla. Je suis prêt. Hop. Prêt. Blablabla, t'es maquillé, ils sont daltoniens, on s'en fout. Puis attirez-le sur la berge. Voilà, et là je suis à 9 minutes 30. C'est quand même déjà bien mieux que 4 minutes 30. Alors on va le défoncer ce poulpe. En vrai, je sais vraiment pas comment je vais le tuer. Oh, cette animation nulle à chier. Allez, on a tué deux rennes araignées. On va bien pouvoir tuer un poulpe. Comment je suis censé tuer ça, moi? Ok. Je sais pas comment je suis censé. Ok. Oh. Ok. 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 Pas grave. Kirden, piégez-le avec Kirden. Venez le faire vous-même. Piégez-le avec Kirden. Non, c'est pas ça. Attendez, Kirden. C'est ça. Utilisez un signe. Piégez-le avec Kirden. Ça marche pas. Ah, ça y est, vite, dépêche-toi. Allez. Il est énervé, garde. Tu m'étonnes qu'il soit énervé. Si je te coupais un bras, tu réagirais comment? Ah ben non. Non.
Allez, oui. Il est énervé. Garde. Aïe. Allez, lève-toi. Allez, allez. Oui. Plus qu'un tentacule. Allez. Garde. Il va. Oh non. Oh non, même pas. Oh. D'accord. My bad. J'ai cru que courir... Non, en fait, c'est con de courir vers le milieu, parce qu'en fait, c'est ces tentacules qui sont encore en parfait état. Donc. C'est débile. C'est my bad. Ah ben. Eh hey, oh. C'est de la triche, là, un petit peu, quand même. À mort. À mort. Bon, l'avantage c'est que pendant cette petite animation, il y a ma vie qui remonte tout doucement. Il est énervé. Garde. Facile. Une fois que t'as compris le pattern. Hein. Spra. Il est énervé. Garde. Là ici a priori, c'est un safe spot du coup. Là. Oh. Ma vie. C'est chaud. Là, il va être hyper vénère. Wow. Allez, lâche-moi, salope. Bra. C'est dangereux ça. Attendez, faut que je revoie le replay là parce que. Je crois qu'il y a faute, monsieur l'arbitre. Hein. Ah, nulle part dans, dans son tentacule il y avait de rocher. Mais bon, on va être fair play. Troisième essai. Ça devrait être le bon. Là. Mais bon après, vous me direz, là je combats un poulpe géant, il m'envoie des cailloux, etc. Bon, ça semble legit que je... Mon perso ait un peu de difficulté. Mais globalement, je trouve que notre perso, c'est un peu une crêpe hein, quand même. Mais nique ta mère. J'ai envie de te dire, nique bien ta mère.
Alors quand t'es trop à droite, il veut pas taper normalement. Après, généralement dans les jeux, je joue mieux quand quand j'ai plus de vie en fait, quand je suis grave dans la merde. Reculer ta patte, merci. Allez. Parfait. Vite, il va réussir à s'échapper. Moi je recule hein. Bon, on voudra pas. Là je vais devoir clic gauche. Hein ? Je devrais appuyer sur espace à un moment. Voilà. Oui, le jeu. Très bien, le jeu. Très bien. A priori, toute la notion de respect, on s'en bat les couilles. Je vois, non, mais pourquoi pas. Très bien. Il est énervé. Garde. C'est dangereux. Bon. J'ai pas perdu de vie. Ça me donnera plus de chances de faire des bêtises après. Il est énervé. Garde. Putain, il a qu'un point d'armure le poulpe. Allez. Je suis full life. Je peux me prendre un caillou sans mourir, je pense. Là, a priori, il faut que je passe par ici. Si je veux pas me prendre sa patte. Ok, bon, a priori. Ok, bah très bien, je vais me faire enculer. Hein. Ça marche aussi. Faut le dire direct. Hein. Ok.
On a réussi. Combat intéressant, okay. Pas vrai, sorceleur? Non, nul à chier. Tout va bien? La bête m'a touché à plusieurs reprises. J'ai entendu dire que vous avez connu pire situation. Je me demande si ces histoires sont vraies. Quelles histoires? Si vous croyez que je vais vous conter les légendes qui courent sur vous, vous faites fausse route. Bon, et maintenant? Je dois récolter les ingrédients les plus intéressants pendant que la dépouille est encore chaude. Je préférerais emmener la carcasse dans mon laboratoire et la dépecer entièrement, mais ce serait gâcher du pouvoir et trop de travail. Je ne prendrais que... Qu'avez-vous entendu sur mon compte? Toutes sortes de choses. Vous ne voulez pas en parler? Je n'ai pas le temps. Plus les ingrédients sont frais, plus ils vaudront cher. Pardonnez-moi. Adieu, alors. N'oubliez pas de prendre la récompense. Oh, ça, non. Bon, level up. Et ce fut un combat nul à chier. Ça s'annonçait bien. Et puis, il y a eu ces rochers, ces tentacules qui faisaient vraiment n'importe quoi. Et il y a eu la bombe à la fin, alors qu'il restait un tiers de vie ou un quart de vie au boss. Alors c'est bien de mettre une barre de vie, mais en fait elle sert à rien, quoi. C'est un peu dommage. Mais sinon, le boss était plutôt impressionnant, c'était plutôt cool. Mais je trouve que l'expérience est un peu gâchée. Par des petits détails... À droite, à gauche. Là, je vais mettre mon niveau de suite, tant que j'y pense. J'ai gagné 2 levels. Dégâts à plusieurs... Ok, on va faire ça et ça. On verra plus tard pour améliorer les compétences, mais là le mieux c'est d'avoir un panel de capacités, je pense. Et après voir qu'on peut en faire. Mais ouais, sinon c'est cool d'avoir plein de quêtes pour un même boss, parce que bah du coup l'avantage c'est que là en tuant un boss j'ai rempli plein de quêtes. Et donc plein d'XP. Ça c'est bon. Allez récupérer votre récompense pour avoir tué le Kairan. Eh bien j'y vais de suite. À l'air de rien, on aura bien avancé aujourd'hui. Genre au début j'avais là vraiment l'impression de faire du surplace. Notamment quand j'ai galéré là avec la reine araignée, les sauvegardes automatiques qu'il n'y avait pas et du coup je devais faire de la route, etc. Mais au final bon, ça a été et puis on a tué pas mal de choses aujourd'hui, c'est plutôt cool. Le gros en a assez dans le ventre. Silence, femme. L'artiste travaille. Mission accomplie. J'ai tué le Kairan. Bon travail. Tu as mérité ta récompense. Je remue pas. Bam. De la thune. Bien, bien. Le commandant sait recevoir? Ces hommes peuvent nous aider. Ou nous jeter à l'eau enchaînés. Il m'a dit qu'il détenait des scoyatelles sur une barge dans le port. T'a-t-il dit si Kairan, le bras droit d'Yorvet, faisait partie des prisonniers? Non. Il en sait peut-être long sur le tueur de rois. Allons lui rendre visite. Ok, très bien. Bah ça, écoutez, on sauvegarde. Et pour une fois que le jeu a pas planté, on va finir là-dessus. Donc, ouais, aujourd'hui, on a fait les trucs avec les araignées. On a été faire le truc dans la crypte là avec les spectres. On a tué le Kairan. On a fait un début. On a fait la quête aussi avec l'elfe là qui nous a tendu un piège. Je pense qu'on était vraiment pas loin de faire la quête
avec les trucs qui sortent de terre là, mais le problème c'est que bah, je sais pas trop où aller, et puis la trappe dans la grotte, je sais pas trop où est-ce qu'elle mène. Donc voilà, bizarre, chelou et tristesse, mais tendresse. Et puis du coup, ben voilà. Demain, pas de stream parce que Ista n'est pas là. Mercredi, l'émission pour apprendre le web. Jeudi, la pause hebdomadaire. Du coup, on se retrouve donc mercredi pour du dev. Et sinon, vendredi pour du jeu vidéo. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Et à la prochaine. Tchou tchou.